28, je suis à ce 28 mars, yon jeudi saint. Jeudi, il n'y a pas secret pour personne, pays trouvé dans une situation mayas. Et dans la situation mayas que pays a trouvé, c'est tout haïtien qui tombait d'accord que pays ça n'y a pas dirigé et n'y a pas gouverné. Il n'y a pas secret pour personne. Nous avons gagné un militant, un acteur, un combattant. Maintenant, il n'y a pas secret pour personne. Tout le monde connaît qui gens complot sous complot. Ils ont pris, ils ont fait quitter le pays. Et puis, il retourne. Il retourne dans le pays. Il garde l'état pays. Et le même jour, il descend à Haïti. Il dit, moi, je ne suis pas là. Moi entré, moi ouais état pays, moi même comme haïtien conséquent, moi même pays, depuis aujourd'hui, moi engagé pour une bataille, pour pays me connaît une autre histoire. Et depuis là, eh bien, président Guy Philippe a lancé bataille, révolution, et ça nous est la révolution pacifique. C'est pas ni voyer roche, ni voyer bouteille, c'est pas ni tirer moun, mais une révolution pacifique. Et je dis en l'arrivé dans ton bout de lit. Et je dis en même, dans la minute n'a parlé là, eh bien, Guy Philippe a proclamé, même si nous tous nous dans la rue pour nous dire nous d'accord comme président, eh bien, Guy Philippe a présenté un discours à peuple haïtien. Guy Philippe a parlé avec peuple haïtien. Eh bien, ce n'est pas Guy Philippe en présence. Mais Guy Philippe prête organe moi. Guy Philippe prête organe moi pour partager message lui. En nation. Maintenant, je souhaite que, ou même qu'à écouter le message, ou même qu'à écouter le discours, prêtez attention à chaque mot qui est dans le discours, parce que nous besoin de paroles pour plus devant, parce que bataille pays n'a fait, ensemble, pays nous connaissons notre histoire. Et si nous aimons pays, nous, avant même le discours, battons gros bravo pour Guy Philippe Jodian nous proclamer comme président pays. Liberté, égalité, fraternité. La patrie ou la mort. L'an 220e de l'indépendance de la République d'Haïti. À l'aube de la commémoration des 37 ans de la Constitution du 29 mars 1987. Après plus de 30 mois de constat de gouvernement qui a failli à sa mission, l'aide de la libération du pays est enfin arrivée. Le malheur va ainsi céder la place au bonheur de chaque fils et fille de la mère patrie. Concitoyens, concitoyennes, le monde est témoin oculaire de votre patience malgré l'ampleur des devoirs de la vie nationale caractérisée par le vagabondage dans la gestion de l'État, le pillage des biens d'autrui, le viol, le vol, la corruption généralisée, l'assassinat de nos frères et sœurs, de nos enfants, l'incendie de bon nombre de nos institutions, la volée, la violation de la libre circulation, etc. Bref, on a assisté à un sentiment de révolte, à l'effondrement de l'État et de la société haïtienne dans toute sa dimension socio-culturelle. C'est sous le regard complice du gouvernement des territoires perdus. Aujourd'hui, le pays traverse une zone sombre. L'océan des âges et plus que jamais le patriotisme et la compétence de ses dignes fils et filles sont indispensables à sa survie. À la trempe des héros de Vestiaire, il nous faut des hommes et des femmes vaillants qui, au péril de leur vie, soient capables de redresser la bague du pays en disant haut et fort, halte là, c'en est trop. Nous nous réclamons de cela. Désormais, sur le sol des Saliniens, nous jurons de combattre l'injustice par la justice, la guerre par la paix, la division par la réconciliation, le sous-développement par le développement. Ainsi, tel est le levier qui nous pousse à agir dans l'intérêt du bien commun. Ainsi, après plusieurs phases, les unes plus cruciales que les autres, dans cette révolution pacifique, nous, peuple haïtien, voulons faire connaître à la communauté internationale
que nous proclamons l'existence sur toute l'étendue du territoire, les leaders charismatiques, l'ex-sénateur Guy Philippe, président de la République d'Haïti, ce soir reflété l'expression de la volonté du plus grand nombre, faisant au principe sacré de l'autodétermination des peuples. Nous-mêmes, peuples haïtiens, nous sémentés 7 fois, 70 fois, nous connaissons ça, nous voulons. Voir peuple, c'est voir bonté. Nous confions dans l'équipe ça qui déjà prêt pour venir assurer bien-être nous. Mettez sécurité dans tout pays hein, pour tout peuple capable d'aller dans l'occupation sans la pérez. J'étais base pour gagner bon gens élection pressé. Créer conditions pour la loi respectée. Créer bon gens travail pour tous les citoyens suspendus à l'épreuve, humiliation, la caille, à l'étranger. Gagner nouvelle là, dans tout pays, hein, pour décoller, nous, peuple haïtien, nous décider d'installer le conseil là. Sans perdre du temps. Dans ce sens, ça, c'est pour tout employé l'État, à toute administration publique là, soumettre en bas autorité président Guy Philippe. Et puis remettre contrôle toute institution l'État yo, en bas pouvoir à autorité président Guy Philippe immédiatement. Proclamation peuple haïtien aujourd'hui, hein, mettez en VS tout article dans la Constitution 1987 là. Acte 1987 amendé qui n'est pas conforme à la programmation jusqu'à ce que l'institution république là nous rétablit pour Haïti retourner à l'ordre constitutionnel qui était crasé complètement depuis qu'il a été assassiné président Jovenel Moïse. Et les petits conseils prennent acte de cette proclamation, l'expression de la volonté populaire qui ne peut plus attendre. Vive la République, vive la Révolution, vive la proclamation du conseil, la patrie ou la mort. Ça, c'était parole qui finit, président paysan. Voilà, mesdames, messieurs, jeudi 29 mars 2024, nous toujours dans la ville Waramet. Dans la grande mobilisation qu'a faite, mettez Guy Philippe pour président pays, nous sommes capables de constater ça. Agent Bessabio qui est là dans la manifestation. Ariel Henry prend un DDN, Ariel Henry sorti, il n'est pas qu'à rentrer. Si monsieur Gary Comio, veillez pour nous prendre un DDN. Si monsieur Gary Comio, nous gardons, nous n'ayons net. Et j'en ai dit là, en fait l'amour pour monsieur Tapézato, il n'y a pas de service time. Allez, oh, mais bonjour, hein? Ouais.
C'est bien droit. Voilà, mesdames, messieurs, c'est comme ça. On est campé dans notre idéologie noire, on est campé dans le peuple, parce que je tiens à nous dire que nous sommes pas haïtiens étrangers. Monsieur Alain, c'est dans le bas 50 que nous allons aller. En tout cas, c'est toujours dans le cadre de manifestation, mesdames et messieurs. Donc, on a regardé l'agent Vesabio qui est toujours eh bien, en position justement pour capable de sécuriser non seulement eh bien, les discours qui sont faits, mais ensemble avec la population qui était dans la manifestation, mesdames et messieurs. Et qu'on est là qui va prendre direction BAT 52, puisque c'est là eh bien manifestation lui-même était commencé. Il prend direction BAT 52 pour qu'on est là pour capable bien continuer ensemble avec manifestation, mesdames et messieurs. Et voilà mesdames et messieurs, et grande manifestation dans la ville de Wanamette, jeudi 28 mars 2024. La gare de Bessap qui devant, Bessap qui derrière, Bessap qui après, sécurisé manifestation, ma parole, nous avons une présence qui nous l'autre corne et PNH là qui là. Mais par contre, nous avons gardé et bien gagné agent Bessap et bien justement qui là, qui a sécurisé l'espace, mesdames et messieurs, et qui a baillé et bien. Et qui a baillé manifestation sécurité. Ok, donc c'est la première fois et dans la ville où on a mis, n'a pas assisté ça. Côté agent Bessap, et bien c'est eux-mêmes qui a sécurisé manifestation dans la ville où on a mis, jeudi 26 mars 2024. Là, ma papa, il y a un bac copio. Ok? Yo gen bakop yo ki avec yo. Et ceci yo devant yo derrière, y a sécurisé et bien manifestation aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous là, et nous sommes connectés sur la plateforme Bola, la plateforme Bola, la plateforme tout pays, la plateforme qui est toujours là pour capable de bien et montrer vraiment ce qui a fait dans le pays. Et bien, population, on a un message aujourd'hui qui prend la rue, qui dit. Après Guy Philippe fin parler aujourd'hui, il a pris un pouvoir définitivement. Mais ça qui est dans la rue, il n'y a pas de présence. Aucun corps de PNH qui est présent, mais bon, comme ça qui est dans la rue, a sécurisé la manifestation, mesdames et messieurs. Vous êtes connectés sur la plateforme tout pays, la plateforme mauvais, pour capable de gagner plus d'informations, surtout aujourd'hui, dans la ville de Wanamette, concernant la manifestation qui a fait, et bien ma palo. Et la dernière manifestation qui est faite, dans la ville où on a mis, c'était le parti politique Petit Dessalines ensemble avec Réveil National, qui c'est Guy Philippe, qui a fait la dernière manifestation tête collée. Et je dis que c'est seulement, eh bien, c'est seulement Réveil National, va parler de Guy Philippe, c'est le parti qui est dans la rue aujourd'hui, pas gagné présence, qui est l'autre fois dans la police qui est là. Mais pour continuer même là et accompagner de Bessap, mesdames et messieurs.